On my way to see my friends, who lived a couple blocks away from me. As I walked through the subway, it must have been about 3:15. In front of me stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said I could stir her name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No. Didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. What was the deal? A pretty girl at 24. So was she keen? She couldn't wait. Said I'm a queen. So let me update. What did she say? She said she loved to rendezvous. She asked me what we were gonna do. So we stopped with a bottle of Moët for 2 Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday we chilled on. I met this girl on Monday. Took her for a drink on Tuesday. We were making up by Wednesday. And on Thursday and Friday. Elle est sympa cette petite pouliche? Ouais, elle est cool. En plus, elle est agréable. Non, ça va te faire une bonne jument, je pense. Ouais, et puis là, elle le fait avec un bon style. On a l'impression qu'elle était perdue pour finir, non? Ouais, regardez plus qu'autre chose. Mais non, ça trotte, c'est sympa. Dans l'écurie, elle est estimée? Ouais, bah ouais, chez moi, c'est le meilleur. Oui, c'est pas mal, c'est un bon cheval. Cheval assez froid. Un chiot en partant et après froid, non, plaisant, mais pas de moelle, pas un vrai 2 ans. Qualifié, j'ai travaillé, j'étais jamais sorti de la campagne. Donc ça l'a baladé un peu, oui, oui, c'est un cheval pour l'automne, quoi. Ouais, pas pour Anguin. Romain Dalton, bien qualifié du premier coup. Oui, bah, c'est un poulain sérieux qui trotte bien. On était dans un lot qui roulait et il a fait son travail. Les débuts en compétition sont prévus dès l'été ou alors on lui laisse un petit peu le temps? Non, c'est un grand cheval, il a besoin de prendre de la force, il va aller en vacances. Peut-être débuter en fin d'année ou alors l'année prochaine. Ouais, c'est Jérôme Ruyot qui l'a passé. Ouais, c'est bien, c'est une bonne petite pouliche. Peut-être elle va courir à 2 ans, elle, à Anguin. On va voir comment elle va passer la qualification. On va lui faire l'autostar, on va l'emmener un petit peu parce qu'elle n'était jamais sortie non plus de la campagne. Et première fois qu'elle voyait gros bois, donc un peu paumée. Mais c'est pas mal, ouais, trotte, ouais, elle est marrante. Très bien qualifié. Il a sauté l'ombre au niveau des raquettes pour finir. Il a fait la faute. Et il revient se qualifier facilement, mais j'avais de la marge, ouais, c'est pas mal. Il va aller en vacances aussi. C'est un de tes éléments préférés ou pas pour le moment? Ah ouais, au travail, c'est bien, il a tout pour lui, il est froid, brave, il trotte bien, il fait pas de faute. À part là, il a sauté l'ombre, mais c'est pas de sa faute. Mais non, mais pareil, pas trop précoce, il va aller en vacances et puis peut-être fin d'année, pareil, ou début d'année prochaine. Ouais, c'est bien, c'est la sorte Be My Girl, c'est pas mal. C'est bien, c'est une gentille petite jument, c'est pas une championne. C'est pas Be My Girl. Oh. Django Reef, j'ai l'impression visuelle est bonne, le chrono un tout petit peu moins bon que les autres. Ouais, parce qu'on n'avançait pas, on n'a pas fait le premier kilomètre, on n'avançait pas, j'étais tout seul devant, je suis très froid, pareil, qui n'est pas beaucoup sorti de la campagne, donc je me suis retrouvé devant, il faisait pas de train, il regardait partout, mais je l'aime bien, ça fait qu'il va courir à 2 ans lui. Ouais, ouais, 2 ans, hein. Ouais, j'aime beaucoup, ouais.
Oui. Celtic de Joux disqualifie bien, il se qualifie tardivement et il a eu des problèmes de santé. Vous m'avez demandé un mot, j'ai dit oui. Allez, un peu plus. Oui, c'est un cheval assez compliqué, trop volontaire un petit peu. Enfin, je ne sais pas si c'est par son origine. J'ai été contraint de le faire castrer, il a toujours eu de la classe. Voilà, c'est la première fois qu'il vient sur l'hippodrome. Là, il vient de bien se qualifier, on peut supposer qu'il va débuter assez rapidement, il est prêt. Normalement, oui. Là, il s'est qualifié en allant devant et en plaçant une belle accélération au 500. Ouais, il s'est montré très froid, mais il a quand même accéléré pour finir. Avec un autre, il aurait été mieux, mais non, c'est bien. Pareil, lui, vraiment pas précoce, il va courir que l'année prochaine. Et c'est un ridicache et il est très froid pour un ridicache, donc c'est bien. Est-ce qu'il est estimé dans ton écurie? Il trotte bien, mais bon, aujourd'hui, il n'est pas à son meilleur niveau. Il sera vraiment mieux l'année prochaine quand il aura pris de la force. Laurent, ce Del Piero, il va tirer des beaux coups francs, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est un bon cheval. Il a un beau nom et c'est un bon cheval. Ouais. Il s'est montré fautif au premier essai. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai voulu l'alléger parce qu'il a quand même pas mal de poids et il y a pas, pour l'instant, il lui faut son poids. Là, la deuxième fois, il est allé devant. C'était une option que tu voulais prendre absolument pour assurer le coup? Philippe a pris mon dos, alors j'étais bien devant. J'étais bien. Hein. Est-ce que c'est ton meilleur poulain? Ouais, je pense, oui. Doka Vedakez. Ouais, pas de force. Il a été ridicule. C'est qualifié, mais bon, il a posé une patte tous les quarts d'heure. Déféré dehors au champ. On l'oublie. Ouais. On verra ça plus tard. Divin de Brie, ouais, il était fatigué pour finir. Mais je voulais absolument l'emmener pour le mettre en vacances après, parce que pareil, c'est pas précoce. C'est quoi le but de qualifier de bonheur et après de relâcher? Il y a une méthodologie particulière à ça? Comme ça me permet de les arrêter. Ils sont qualifiables. J'emmène un peu tous mes grands modèles que je veux arrêter. Et comme ça, après, ils vont en vacances tout l'été. Au beau temps, il y a un peu d'herbe, donc ils sont bien. Bien dans sa tête en plus. Ça se voit. Bien dans sa tête, il attend juste les commandes, c'est tout. Colette, il a tout pour lui. Colette, on peut répéter ce que tu viens de dire, c'est ton petit bijou? Ça c'est le bijou de l'écurie, oui. Ah, ouais. C'est mon petit bijou ça. Il s'impose facilement là, 18-4 en plus, il y a la manière et puis il y a de la facilité. Hein. Beaucoup de facilité. Bon, j'étais obligée de lui montrer juste un peu la cravache parce qu'il regardait le public, il n'est pas habitué, donc j'ai eu peur qu'il se reprenne. Donc j'ai préféré juste lui montrer la cravache pour qu'ils ne se reprennent pas dans la descente, quoi, dans l'arrivée. Mais franchement, j'ai encore de la marge. On va le voir dans les premières courses de Poulain? Non, il va partir en vacances. Non, je ne suis pas pressée. C'est un très grand cheval, gros cheval. Un cheval qui est en pleine croissance. Je ne suis pas pressée de le fusiller, donc on va attendre un peu. Partir en vacances avec, Colette? Je dirais bien, oui.
Diabolito, il a résisté à l'air, c'est plutôt bon signe. Ouais, non, mais il trotte, il est très très froid. Bah, les miens, c'est le premier coup qu'ils sortent, alors ils sont un peu perdus. Mais non, c'est pas mal aussi. Alors là, quasiment tous tes poulains sont passés. Est-ce qu'on peut avoir une hiérarchie par rapport à tous ceux qui sont présentés aujourd'hui? On peut avoir une hiérarchie pour aujourd'hui, mais pour la suite, je sais pas, parce que ils ont juste travaillé suffisamment pour aller au qualif. Et c'est des poulains qui ont besoin de prendre de force. Mais aujourd'hui, le plus plaisant, c'est Dijon. Dollar Maker qui est passé à la deuxième fois? Ouais, un grand con. Un saxo de Vandel, maladroit, il a fait des fautes là, au premier pas. Au bout de 200 mètres, il a fait une faute. Après, j'ai voulu le travailler, il en a refait une. Un grand idiot, je l'ai enraîné un peu plus. Je l'ai piégé un petit peu plus, il veut moins de train. Il est bien qualifié, c'est un cheval qui trotte qui pourra aller monter. Un grand bêta, un grand idiot. Bruno, une pouliche qui se qualifie assez plaisamment. Oui, c'est une jument qui est un peu en bleuse et elle était partie, elle avait fait la faute après le départ au premier essai. Là, ça s'est bien passé. Un peu perdu encore, 20 ou 1000 et 20 ou 2000, c'est bien, la Pamoli. C'est la sœur de Roxane de Beaumet. Elle devrait bien vieillir. Qu'est-ce qu'on peut penser pour la suite du programme? Elle va tout de suite courir cet été à Anguin ou on va attendre un petit peu? Non, on va attendre un peu. Elle va courir à 2 ans, ça c'est sûr. Mais là, elle part au champ ce soir. Par rapport à juste la hiérarchie dans tes poulains pouliches, elle fait partie des éléments qui sont les plus estimés? Non, c'est pas la plus estimée, mais c'est pas la moins rapide non plus. Je pense qu'elle va être. C'est une jument qui a beaucoup de poids, donc je pense qu'elle va venir plus avec l'âge, parce qu'aujourd'hui le poids c'est quand même un handicap pour la tenue. Et quand on pourra l'alléger, elle sera bien meilleure. Juste un petit mot, Gwen, les sensations sulky? Bien, correct. Elle s'est retrouvée toute seule devant. Est-ce que pour toi, à un moment de temps, il y a eu un petit moment de panique ou tu étais vraiment sûr d'elle? Ah non, j'étais sûr d'elle, même elle est mieux toute seule à laisser dérouler comme ça. Elle peut aller encore plus vite, je pense. Vous avez été déçu également par Démonia Roma qui... Ouais, peur de tout. Alors elle est ridicule. Et pareil, pas sortie de sa ferme. Une vraie paysanne, elle avait peur de tout. Et première fois qu'elle est à la ville, elle s'est fait peur de tout. Elle faisait des piles, elle faisait des fautes. Non, on était ridicule. Quel mauvais boulot. Quel travail d'amateur. Il est temps qu'on arrête ce métier-là. Voilà. Il va être temps qu'on diminue tout ça. Alors, je suis désolé, je vous pince une dernière fois. L'année dernière, vous aviez eu une génération de ces... Pas mal qualifiés, correct, mais plaisant, pas des très bons chevaux. Il y a eu 2-3 chevaux qui ont couru les groupes. Oui, la couleur citron, c'était bien, elle a été placée de groupe. Calderio a dû gagner un groupe 2. Célébrissime a dû gagner un groupe 3, second groupe 2, c'est bien. C'était pas des champions, mais c'était pas mal. Mais on va pas l'année des B, on va oublier, on n'aura jamais ça. Et puis là, ça va plutôt en diminuant. Quoi. Voilà, tous les ans, c'est un peu moins bien que les... Je pense que les dés sont moins bons que les C. Et puis voilà. Et pourtant, les bruits étaient... Ah, pas de chez moi, en tout cas. Non, pas de champion. Ah non, pas de chez moi. Pas des bruits de chez moi en tous les cas. Ouais, on vous a mal informé. Hein. Ouais, non, les mains qui sont chauds. Ah oui, ils vous les vendraient cher. Hein, les mecs, ils sont à vendre. Hein, s'il y a des bons bruits, en ce qui me concerne, les miens sont à vendre. Tous à vendre. Ouais. Et le message est passé. Voilà. Non, les bruits, il faut se méfier. Non, j'ai pas grand chose. J'en ramène 7 ou 8 dans 15 jours, mais j'ai pas une grande année. Est-ce que je peux vous demander, dernière question, votre meilleur? J'aime bien Direct Way, le cheval de Jacques Pauk. Un Quaker Jet. Bon, j'aime bien aussi Daddy Wood quand même. Et puis. Le meilleur ou le moins mauvais, je sais pas. Non, j'ai pas une grande année, j'ai des chevaux moyens, très moyens. Ouais, c'est pas terrible. On va être inexistant. Happiness is true.